La nouvelle saison de l'amour est dans le pré et lancée. Depuis 2010, Karine Le Marchand, tête des agriculteurs, a trouvé le grand amour. Après 14 saisons à la tête du programme, l'animatrice revient ce lundi 19 août avec cette nouvelle édition. Cette année, 12 agriculteurs, 10 hommes et 2 femmes, participent à l'aventure. Il y a quelques semaines, la production avait annoncé avoir écarté 3 participants, Cyril, Guy et Damien. Le fait d'être exposé à la télévision fait qu'on a des retours de proches, d'ex, qui parfois nous alertent sur des situations. On est aussi respectueux des prétendants et prétendantes et pour certaines personnes, ce n'est pas le moment, a expliqué Karine Le Marchand au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs. Pour inaugurer cette nouvelle édition de L'Amour est dans le Pré, les téléspectateurs ont d'abord fait la connaissance de Gilles, alias Gilou, un éleveur bovin de 70 ans. Après avoir perdu sa femme il y a 2 ans, l'agriculteur est bien décidé à retrouver l'amour. Interrogé par Karine Le Marchand, Gilou s'est montré très honnête. Et sexuellement parlant, ça fonctionne encore, a demandé l'animatrice. Je vais être franc, je prends des stimulants, a répondu l'agriculteur. Des confidences qui ont amusé les téléspectateurs. Il m'a fait rire. Je prends des stimulants. Avec l'âge, les raideurs se déplacent. Gilles m'a fait éclater de rire. C'est un bon lui, Gilles, la France entière sait désormais que tu as des difficultés. Gilles est-il hilarant d'honnêteté ? A-t-on pu lire sur X ?